Aujourd'hui, on rencontre Blaise Nadal. Il nous parle de son premier roman, « J'irai danser sur la tombe de Saint-Gore », qui a remporté le prix du livre d'Ottawa 2015. Découvrons avec lui ce qui lui fascine des médias sociaux et du langage utilisé sur ces plateformes. Alors, suivez-moi! Bienvenue sur le plateau de tournage « Suivez-moi ». Merci. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. En regardant ta bio, je sais que tu es juriste, tu es blogueur et romancier, mais tu as voulu être prêtre un jour dans ta vie. Comment ça se fait? C'est vrai. Oh mon Dieu, c'est tellement lointain aujourd'hui. Eh bien, effectivement, j'ai été, comme beaucoup de jeunes de ma génération, à l'école catholique. Donc j'ai été chez les frères Joséphites, dans une ville qui s'appelle Kikwit, dans la province du Bandundu, en République démocratique du Congo, pays dont je suis originaire. Et il fut un temps où je me suis effectivement intéressé plus que l'élève moyen à la vie de prêtre. J'ai cru avoir ce qu'on appelait la vocation. Et donc, je suis allé au couvent pendant la période où je poursuivais mes études secondaires. Oui, j'ai habité dans un couvent des frères Joséphites pendant quoi, 3 ans à peu près, avec l'idée de devenir prêtre. Sauf qu'à la fin de mes études secondaires, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ma voie. Que c'était pas ta vocation. C'était une sorte d'hallucination qui m'avait un peu traversé l'esprit, mais que... au plus profond de moi, je n'aspirais pas vraiment à ce mode de vie. Je pense qu'elle ne m'aurait pas convenu, de toute façon, cette vie dehors du jeu. Je suis donc revenu sur mes pas et puis voilà, j'ai pris une autre voie et c'est bien lointain aujourd'hui. Oui. Et cette voie, cette nouvelle voie que tu as prise lorsque tu as décidé de changer, tu as décidé de continuer un amour que tu avais avec les mots. Est-ce que tu as toujours voulu être un auteur? Voulu, non. Je pense que c'est une suite à la fois logique par rapport aux élans que j'avais en étant jeune, mais aussi une sorte de concours des circonstances en ce qui me concerne, qui m'a conduit là. C'est vrai que depuis très très jeune, j'ai toujours écrit pour le plaisir. Et je suis né de parents enseignants, un père enseignant, une mère enseignante, un père qui était un boulimique de la lecture, comme je l'ai dit souvent. Boulimique? Oui, carrément, hein, un rat de bibliothèque, quelqu'un qui lisait énormément et qui donc m'a donné très tôt ce goût pour la lecture, ce goût pour les mots. Et ça, je l'ai développé sans agenda, sans y penser pratiquement, mais j'ai écrit étant très très jeune. Et puis, à un moment donné, je me suis intéressé aux études de droit, donc je suis allé à la faculté, tout en écrivant, mais vraiment pour le plaisir, le mien, bien entendu, et aussi celui de mes amis qui lisaient et qui pensaient donc que j'avais ce talent-là. Jusqu'au jour où, beaucoup plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui a découvert mes manuscrits, c'était ici au Canada, et qui, cette personne-là, qui, elle, m'a dit que je devais absolument... envoyer mon manuscrit à un éditeur parce qu'elle était convaincue que je devais être un auteur et que c'était pratiquement inacceptable que je ne le sois pas encore après autant d'années. Et c'est comme ça que finalement j'ai envoyé ce texte qui deviendra mon premier roman. Et donc c'est par ce moyen, ces concours des circonstances que finalement cette passion qui a duré des années a abouti sur la table d'un éditeur sous la forme d'un manuscrit. Et aujourd'hui, oui, je suis compté comme auteur. Comment voyez-vous les médias sociaux par rapport à une personne qui maîtrise la langue? La langue est très animée sur les médias sociaux. Comment voyez-vous ce mariage entre la langue et les médias sociaux? Je crois que tout est question de contexte. Quand j'écris, quand je prends mon temps pour écrire un article, par exemple, pour le Huffington Post France où je suis blogueur, ou même quand je travaille sur un manuscrit, j'ai un rapport beaucoup plus pointu, beaucoup plus exigeant. Je prends mon temps, je soupèse chaque mot, je relis, Dieu sait combien de fois, un paragraphe avant de le considérer comme abouti, et encore, jusqu'au moment où on finit avec l'éditeur, on a encore envie de changer de choses. Ça, c'est un contexte particulier qui s'inscrit dans la durée, dans la profondeur. Et puis, il y a l'instantané des médias sociaux, parce que comme vous le savez, c'est un milieu où tout va tellement vite. Et là, je sais que je n'ai pas le temps pour moi, je n'ai pas l'éternité. Donc, je vais choisir un style, des mots qui, j'ose dire, feront mouche par rapport au message que j'ai envie de faire passer. Mm-hmm. Donc, je vais être assez succinct, précis, et puis je vais chercher quelque chose souvent d'accrocheur, de percutant, pour que le message que j'ai à livrer puisse passer sans trop de fioritures, mais vraiment pour aller à l'essentiel. Mm-hmm. Mais je pense que c'est une chance inouïe
que nous avons aujourd'hui, nous tous qui créons comme artistes, peintres, écrivains, chanteurs et consorts, de pouvoir rester dans une sorte de dialogue quasi permanent avec ceux qui s'intéressent à notre travail, mais aussi de prendre le pouls des intérêts du public, des lecteurs en l'occurrence. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise au maximum de mes moyens et de mon temps pour pouvoir dire ce que j'ai envie de dire, sans attendre que tel agent de presse me contacte ou quel média s'intéresse à mon travail d'auteur, de blogueur ou même de juriste. Mm-hmm. Et vous l'utilisez bien. On sent derrière votre plateforme sociale votre amour pour les mots. Et dans cet amour-là, est-ce que vous sentez que, quand vous regardez d'autres plateformes sociales, que les gens négligent la qualité de la langue sur les médias sociaux? Je pense que les médias sociaux sont aussi le reflet de ce qu'est notre société d'une manière générale. Je ne crois pas quelqu'un qui écrit de manière impeccable, en respectant la syntaxe, toutes les règles de grammaire, dans sa vie courante ou professionnelle, va se mettre à écrire sans aucune rigueur, sans un minimum de rigueur sur un média social. Donc ceux qui écrivent bien, même si le format est différent, écriront de manière rigoureuse sur les médias sociaux. Mm-hmm. Ceux qui ont une certaine paresse ou qui simplement ne maîtrisent pas la langue, ce qui n'est pas un crime. Mm-hmm. On peut ne pas avoir la maîtrise d'une langue. Et moi-même, je ne prétendrai pas avoir une maîtrise complète de ma seconde langue. Alors vous n'êtes pas puriste. j'essaie d'être puriste quand il le faut. Quand je lis un roman, par exemple, et que je constate qu'il y a pas mal de coquilles ou des erreurs des grammaires français, je parle de romans français, ça m'embête énormément. Parce que je pense que ça dénote un certain manque de respect aussi au public qui attend. Donc, je me sens un peu, en quelque sorte, banalisé comme lecteur quand je vais à la rencontre d'un auteur, ou, mm-hmm, que ce soit d'un roman ou d'un article, qui ne met pas la rigueur qu'il faut pour me proposer un texte comme celui-là. Cela étant dit, si je vais sur un média social et que je vois un post sur Facebook et qu'on sort, je pense que mon seuil de tolérance est beaucoup plus élevé. Donc je ne m'attends pas à ce que ça soit aussi pur que cela. Mais je reviens encore à ce que je disais tantôt, c'est lui qui écrit bien. Dans un roman, dans un article de presse ou autre part, généralement, écrira bien sur un post Facebook. Après, les formats vont changer, il va peut-être aller beaucoup plus à l'essentiel, comme je le disais tantôt, mais je pense que la rigueur, elle sera là. Ou elle n'y sera pas, parce que, oui, les gens écrivent selon ce qu'ils sont, selon ce qu'ils ont comme bagage et selon ce qu'ils ont comme habileté. Est-ce que Facebook, c'est votre plateforme préférée? Je ne sais pas si je dois parler en termes de préférence. Déjà qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Voilà, donc je ne suis pas la personne qui est la plus à jour sur ce qui se crée, ce qui se fait. Mais je suis entré sur Facebook et je me suis rendu compte qu'il répondait assez largement à mes besoins de communication avec cette partie du public, mm-hmm, que j'évoquais tantôt. Et j'utilise aussi Twitter dans une mesure relativement moindre. Mais Facebook et Twitter sont dans l'ordre, effectivement, les deux médias sociaux dont je me sers le plus, parce que pour l'instant, je me rends compte qu'ils répondent à mes besoins, ils me permettent de toucher et de suivre aussi, en retour, les personnes qui m'intéressent sur des thèmes qui me tiennent à cœur. Et les personnes qui vous intéressent, c'est qui sur les plateformes sociales? Qui suivez-vous? Oh mon Dieu, je n'ai pas mentalement la liste de tous ceux que je suis. Mais ceux qui vous intéressent davantage. Ceux qui m'intéressent davantage, ce sont les gens ou les organismes, ou je ne sais pas, les entités qui renvoient à mes deux principaux champs d'intérêt que je nommais tantôt, à savoir le domaine littéraire, mm-hmm, et puis le domaine du droit et plus spécifiquement de droits humains. Donc je pense que tout ce qui gravite autour de ces deux champs vont m'intéresser. Après, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir sur les arts en général. Je vais suivre des chanteurs, des artistes de différents courants. Mais c'est essentiellement dans le monde de mots, le monde littéraire et dans le monde du droit que je vais circonscrire un peu les territoires de mon univers Facebook et Twitter. Vous êtes né au Congo, vous avez vécu en Belgique. Vous avez vécu en Haïti. Quels sont, au-delà de la langue, qu'est-ce que ces trois pays ont en commun pour vous? Mon Dieu, qu'est-ce que ces pays ont en commun pour moi? Je pense que ces pays sont, chacun avec sa particularité, autant de maillons dans la chaîne de ce que je venais de décrire, à savoir mon intérêt, mon cheminement vers
une sorte de contribution à la promotion, à la défense des droits humains. Je suis arrivé en Belgique avec une bourse d'études post-universitaire pour me spécialiser en droits humains. Je venais du monde des ONG, je le disais, je faisais mes débuts au barreau. J'arrive là-bas, je me spécialise, je reste dans le milieu des droits humains avec Amnesty International Belgique francophone, ainsi de suite. Donc là encore, sans le droit, sans l'intérêt pour les droits humains, je pense que je serais sans doute parti d'Afrique, mais je ne serais peut-être pas passé par la case Belgique. Et après, je me retrouve au Canada pour d'autres raisons, mais je repars en Haïti, que vous citiez tantôt, pour travailler pour Avocats sans frontières, parce que là encore, il y a des projets de droits humains dont j'avais la responsabilité. Évidemment, j'ai dû travailler avec des partenaires locaux sur des enjeux extrêmement importants sur ces terrains-là, que l'on parle du travail que nous avons fait en accompagnant le collectif contre l'impunité en Haïti, un collectif d'associations et d'ONG haïtiennes qui travaillent pour donner suite aux plaintes qui avaient été déposées contre l'ancien dictateur Duvalier. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on parle des consorts. Ça fait longtemps, mais c'est des crimes imprescriptibles dont il s'agit. Donc le fait que monsieur soit décédé et que les consorts soient là et que mm-hmm. des années soient passées ne change pas la réalité selon laquelle, selon la théorie du droit, ces faits-là doivent être poursuivis et punis lorsque la responsabilité des uns des autres aura été établie. Donc là encore, on voit que sur des champs comme celui-là, comme celui de l'accès à la justice pour les femmes et les enfants qui restent en détention préventive pendant mm-hmm. des années pour des faits souvent mineurs, c'est autant de combats qui me parlent et qui ont donc expliqué que du Congo à la Belgique, vers Haïti, je suis toujours attiré par la petite contribution, le besoin que je peux valoir les droits des gens qui n'ont pas autrement la possibilité de se prévaloir de leur humanité, tout simplement, devant le système judiciaire. Vous venez du Congo et le Congo est très bien représenté. Il y a une grande population congolaise ici. Et quand vous aviez gagné votre prix, vous avez partagé la photo avec votre prix, cette réussite. Et il y avait une lignée de personnes qui vous félicitaient de partout à travers le monde, d'ailleurs, de chez vous, en République du Congo. Comment vous vous êtes senti quand vous voyez cet amour qui vient de loin par les médias sociaux? Ce que ça m'a inspiré, c'est à la fois un sentiment de fierté, il ne faut pas se le cacher, de dire, voilà, moi, je suis venu d'un milieu assez modeste. Et d'où je viens, je ne pouvais pas rêver de me retrouver au Canada, à Ottawa, et de gagner un prix littéraire pour un premier roman. Donc, je dis, mais il y a de quoi peut-être être fier de ce parcours que j'ai pu faire et d'être tombé presque de manière accidentelle par un coup de pouce de quelqu'un qui m'a défié en disant, si tu n'envoies pas ton manuscrit à un éditeur, je vais le faire en ton nom et tu seras surpris parce qu'il sera publié. Il y avait une fierté. Une chance. Une grande chance. D'ailleurs, je lui fais une fière chandelle en lui disant merci à la fin du roman. Il y avait cette fierté-là de dire, il y a peut-être un pas qui a été fait, ce qui était une passion comme ça, partagée avec un cercle très réduit de personnes, finie sous les projecteurs dans la ville qui est aujourd'hui mienne et dans le pays qui est le mien, le Canada. Mais il y avait aussi, même si le Congo, la République démocratique du Congo, a, un peu à la manière d'Haïti, occupé souvent le devant de la scène pour des choses extrêmement négatives, j'étais peut-être un des petits maillons, un des petits joueurs qui, ces dernières années, dans le monde des arts, essaye de faire passer une autre image. Une lueur d'espoir. Peut-être une lueur d'espoir. Je pense à ce prix, auquel je ne donne pas une signification autre que celle qu'elle a. Je pense aussi à d'autres gens, d'autres auteurs, comme mon aîné Nkoli Jean Bofane, mm-hmm. qui est lauréat du dernier prix des 5 continents, qui est aussi un bel ambassadeur au niveau des arts, des lettres du Congo. Je pense à des jeunes comme Fiston Mwanza Mujila, qui a publié Tram 83, un roman fabuleux, et qui lui a valu une nomination au Bookman Prize International. Je pense à l'exposition Beauté Congo que la Fondation Cartier a mise en avant pendant un an à Paris.
des jeunes, de moins jeunes, qui tous, chacun à sa modeste échelle, essayons d'apporter une petite pierre à l'édifice pour que lorsqu'on parle du Congo, d'Ottawa, de Paris, de Vienne, pour ce qui est de Fiston ou ailleurs, on ne pense pas qu'au viol à l'est du Congo, même si c'est une réalité triste contre laquelle nous nous élevons, et je sais que c'est une question à laquelle vous vous intéressez également, mais qu'on voit aussi ce que les Congolais de la diaspora font positivement dans la communauté. Font positivement, et pas que de la diaspora d'ailleurs, parce que là je parle aussi des artistes qui étaient à Paris, à la Fondation Cartier, qui venaient pour la plupart des Kinshasa. Donc je crois qu'au-delà du prix qui m'était décerné, et d'autres nominations que j'avais eues auparavant, j'ai cru comprendre qu'on avait aussi ce devoir d'être présent pour montrer du Congo, et peut-être de l'Afrique, une image qui contraste avec les drames qui sursaturent, si je peux me permettre, le pléonasme, les médias, lorsqu'il s'agit de ce continent d'où je viens et qui m'est toujours cher, évidemment. Mm-hmm. Et vous en parlez, quand on lit votre livre « J'irai danser sur la tombe de Senghor », on sent votre pays, votre amour du pays. Allez-vous y retourner bientôt? Bientôt, je crois pas vraiment. Je crois pas vraiment. Non. Parce que je reviens de là et pour diverses raisons, je peux pas me payer le luxe de voyager autant de fois au Congo. J'aimerais tellement le faire, plusieurs fois par année si je le pouvais. Mais je pense pas que j'ai pas de voyage à court terme pour le Congo. J'en reviens, j'étais là au mois de mars quand je suis revenu d'Haïti. Je suis parti au Congo, je suis revenu. Je n'y retournerai pas physiquement dès si tôt. Mais j'y retourne tous les jours à travers ma création, à travers mes écrits. Et je suis en train de mettre la dernière main. Je suis dans la révision des épreuves de mon deuxième roman. Ah, qui s'en vient bientôt. Qui sort en janvier. Le fait pour moi d'écrire ce texte-là, de le retravailler, de le relire, en fait me transporte spirituellement au Congo tous les jours que je passe ici au Canada. Donc physiquement, non, mais spirituellement, c'est vrai que je crée beaucoup avec des matériaux spirituels qui me viennent du Congo. Donc oui, je vis au Canada. Et Dieu sait et au Congo. Dieu sait que je suis tellement heureux de vivre dans ce pays et que j'aime beaucoup. Mais en même temps, je vis aussi au Congo tous les jours. Je suis là-bas, j'y retourne et je ne pourrais pas ne pas y être. Et avec l'Internet, on sent une proximité. On peut être à Ottawa, mais on est en contact avec les gens au Congo. On est en contact avec des gens en Belgique, dans votre cas, et un peu partout. Avec la beauté de l'Internet, en tant qu'auteur, vous pouvez écrire pour plusieurs médiums. D'ailleurs, vous êtes blogueur pour Huffington Post. Et maintenant, vous travaillez, cette expérience vous a valu beaucoup d'expérience pour partir un magazine sur lequel que vous travaillez maintenant. Oui, mais je rentrais quand même à César ce qui est à César. L'initiative du magazine qui s'appelle Africain au pluriel, qui sera lancée à la fin de cette semaine, ne venait pas de moi. Elle venait d'un autre ami qui m'a rejoint au Huffington Post France, justement. Lui est français, il est franco-guinéen, plus précisément. Il vit à Reims, en France, Guillaume Camara, qui est donc l'initiateur de cette plateforme, de ces magazines en ligne qui vient d'être créé. Donc, lui aussi a capitalisé sur l'expérience qu'il avait comme blogueur, parce qu'il avait son propre blog, ensuite comme blogueur à Huffington Post. Il a vu ce que je publiais, il suit ce que je fais. Alors, il m'a contacté, dit Blaise, c'est bien le Huffington Post, mais il reste que c'est des labels connus qui ont été créés par des Américains qui avaient de l'ambition et qui avaient un certain regard sur la scène internationale. Pourquoi de jeunes comme toi et moi ne nous lancerions pas ce défi de créer un magazine typiquement africain qui apporterait un regard différent, contrasté par rapport à ce qui s'est fait déjà ailleurs? Sur notre continent et sur les enjeux où l'Afrique est d'une manière ou d'une autre au centre de préoccupation. Et de quoi vous allez parler dans ce magazine? Je sais que c'est des sujets qui touchent les Africains, mais à quoi qu'on peut s'attendre dans ce magazine électronique? On va essayer d'apporter un regard qui ne serait ni celui de ce qu'on appelle communément l'afro-pessimisme
on dit rien ne marche, ça marchera jamais, c'est des pourris, c'est un continent vraiment maudit de Dieu. Pas cela. Ni un afro-optimisme béat, en disant on est les meilleurs. D'ailleurs, dans 50 ans, la plus grande puissance économique. Pas ça non plus. Ou un afrocentrisme exacerbé, comme on le voit. J'en parlerai dans l'article que je publie. En ramenant tout à notre regard d'Africain, de Noir, voilà, il faut absolument qu'on démontre que voilà, on nous doit ceci, cela. On veut avoir un regard où on doit essayer de placer l'Africain, celui d'Afrique ou de la diaspora, devant ses responsabilités face aux enjeux qui se présentent pour le futur. Je vais donner un exemple pour une question, encore une fois, qui rejoint mes intérêts, pour la Cour pénale internationale, par exemple. Quand on va aborder des questions comme celle-là, autour du discours qui concerne le fait que les Africains devraient ou pas quitter cette cour qui est présentée comme une cour des Blancs qui humilie les Africains. Au-delà de ces discours afrocentrés, au-delà des lacunes et des défaillances qu'on reproche à la Cour pénale internationale, en tant qu'Africains, quelle est notre part des responsabilités devant des enjeux comme celui-là, où on a d'une part une cour qui a le mérite d'exister et qui, Dieu sait, est devenue une sorte d'épée de Damoclès pour certains tyrans qui s'illustrent par des crimes gravissimes sur le continent, et d'autre part, une Afrique qui a un malaise réel en disant « mais il n'est pas normal que des chefs d'État africains en fonction soient traînés devant des juridictions internationales hors d'Afrique et présentés à la face du monde comme de moins que rien ». Comment on fait face à ça? Est-ce qu'on fait prévaloir la dignité d'Africains? Et puis on passe pour pertes et profits les victimes de ces crimes-là, ou est-ce qu'on essaye plutôt d'apporter de propositions concrètes pour que, si ces juridictions doivent continuer à avoir compétence sur les questions africaines, cela s'efface à la fois en vertu des principes d'universalité et des rigueurs que nécessite le travail de juger, de dire le droit, et aussi une certaine dignité pour que les Africains qui s'identifient d'une manière ou d'une autre à ces clients, à ces criminels présumés, puissent savoir que ce n'est pas de Noirs qu'il s'agit, mais que c'est des criminels qui, d'une manière ou d'une autre, doivent répondre de leurs actes, que ça se passe en Afrique ou que ça se passe ailleurs. Et en tant qu'Ottavien, quels sont les endroits pour les artistes qui sont des auteurs? Des endroits qu'on ignore, mais que les auteurs devraient prendre leur place à Ottawa. Je ne sais pas si on les ignore, mais il y en a quelques-uns qui me viennent à l'esprit. Je ne serais peut-être pas très original, mais vraiment, ça, c'est authentique parce que c'est ce qui me parle à moi. Je commencerai par le milieu où on se trouve en ce moment même, le marché Baye. Pour moi, c'est un endroit l'un des plus beaux d'ici, de par sa charge historique, certes, mais aussi parce qu'il s'y dégage quelque chose qui ressemble à ce que j'appellerais justement l'esprit ottavien. La tranquillité, et on est là, on n'est pas si pressé que ça. On sait prendre son temps, on sait se mélanger. Il suffit de sortir ici sur la rue Georges, de se promener pour voir que vraiment on y rencontre de tout. Je ne sais pas moi, le jet-setter va passer dans sa Lamborghini et puis au coin on va rencontrer... comment dirais-je, un sans-abri qui est là tranquillement assis et qui va dévisser avec le passant qui trouve un moment pour lui parler. Sans déranger. Et, sans déranger personne. On se mélange, on se côtoie. Et puis il y a des endroits comme la librairie Soleil. Sans leur faire de la pub, ils n'ont pas besoin que je la fasse pour eux. Mais pour moi, c'est un endroit témoin. Oui, c'est un endroit témoin qui atteste de la vitalité de cette francophonie d'ici, dont on ne parle pas nécessairement beaucoup et dont on ne mesure pas toujours la signification pour les gens qui vivent en français. Pour moi, arriver là-bas, commander un livre de Yasmina Kadra et puis l'avoir dans les 48 heures, ou bien aller chercher le dernier Michel Tremblay que je n'ai pas lu. Encore. Voilà. Donc ça, c'est des moments qui me font bien me sentir chez moi. Et ils me font sentir chez moi en français. Il y a le marché Baye. Et puis, il y a aussi toute la chaîne des librairies francophones qu'on retrouve dans la ville. La librairie du coin. Celle du coin. Le soleil. Et il y a des endroits comme la Nouvelle Seine.
qui pour des artistes ou simplement pour les gens qui consomment et aiment l'art, est un lieu incontournable de rassemblement, de partage et de découverte aussi de ce que les Ottaviens savent faire, savent proposer dans le monde des arts. Et puis j'en citerai à l'appel, mais je terminerai avec le cinéma Bytown, qui est un cinéma alternatif qui vous montre ce qu'on ne trouvera pas toujours dans la grosse production hollywoodienne qu'on retrouve dans les ciné classiques. Pour moi, c'est un lieu où j'aime bien me replier pour aller retrouver un peu ce qui passe un peu underground, pour utiliser mon bon français. Et ça, oui, c'est un endroit que je recommanderais beaucoup à ceux qui veulent vivre Ottawa dans toute sa richesse culturelle, au-delà des endroits qui sont le plus en vue. Alors, merci d'être venu sur le plateau de tournage de Suivez-moi. En tant qu'artiste, c'est fun de rencontrer d'autres personnes qui sont des artistes, qui nous font découvrir Ottawa autrement et en français. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de me joindre à ceux qui disent « Suivez-moi ». C'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Continuez de découvrir mes invités et moi sur les médias sociaux. À bientôt!